je vends du porc, je sens le porc. C'est parce que ça a été dur, vraiment, les acharnements, les insultes. Vous venez jusqu'à chez moi, ici, me mettre des menaces dans la boîte aux lettres. Mais je fais quoi de mal? Je vends du halouf, je fais ce que je veux. Alors, je comprends pas les acharnements dans les commentaires. Toute l'année, vous faites des conneries. Toute l'année, vous fumez, vous buvez, vous frappez vos femmes. Personne vous juge, non? Pourquoi vous me jugez à moi? Je fais ce que je veux. Je vends du halouf et alors, je respecte tout le monde. Je vends du halouf, je vends du halal. Je vais vous montrer. Je fais juste un premier pas pour apprendre à vivre ensemble. Et après, je vous dis la vérité. Regardez comment il est beau. Regardez, j'ai envie de taper un croc phénoménal dedans. Ils sont tellement bons, le halouf. Comme ils disent, tout est bon dans le couchant, tout est bon. Je le mange pas, je le vends, parce que quand il y a des Français, ils viennent chez moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le côté halal aussi, je vais vous montrer. Regardez, des saucisses, des pâtés, le boudin, le boudin, les knacks, les francfort, la choucroute, la salade de mizouta, attar, les saucisses. Et regardez, là, ça y est, là, stop. Là, maintenant, on passe au halal. Vous avez de l'agneau, mes frères rebeux, mes chouya, mes chouillettes, vous avez du faux filet, vous avez de tout, tout ça, c'est... Et il y a des Arabes qui viennent, et il y a des Français, il y a Bonjour et il y a Selem, les deux ensemble. Pourquoi pas, hein? Arrêtez de juger. Un peu avec votre mentalité de mère là. C'est haram quand ça vous arrange. Tous les péchés que vous faites toute l'année, ça vous dérange pas. Ça aussi c'est haram. Pourtant vous le vendez dans les alimentations et tout. Ouais, mais ça c'est rien, on peut se régaler ça, non? Quand vous voyez un truc archi beau gosse comme ça là, vous faites les choquer. Bande d'hypocrites va que vous êtes. Je vends du porc, je sens le porc. Les gars, si vous me voyez pas comme d'habitude et tout, que je rigole pas beaucoup en ce moment et tout, c'est parce que ça a été dur, vraiment, les acharnements, les insultes. Vous venez jusqu'à chez moi, ici, me mettre des menaces dans la boîte aux lettres. Mais je fais quoi de mal? Je vends du halouf, je fais ce que je veux. Je travaille avec les mécréants, nanana. Mais je préfère eux que vous. Eux, ils viennent avec le sourire, ils font rien de mal. Ils prennent leur jambon, ils prennent leur viande et ils rentrent chez eux, ils font mal à personne. Et c'est pour ça que je les respecte. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vendre les deux, de vendre du halal et vendre du porc, pour que tout le monde est content, pour apprendre à vivre ensemble. Et on va pas arrêter, vous allez pas me faire arrêter, je vous le dis. J'espère que ça va ouvrir des boucheries comme ça de partout aussi. Les mécréants, mais vous êtes pas content de dégager d'ici pour rentrer chez vous là, je comprends pas moi. Toute l'année vous êtes là, et la drogue que vous vendez dans les quartiers, hein, la mort que vous vendez aux mineurs, ça c'est rien ça, hein, ça vous dérange pas ça. Frapper des femmes, vendre l'alcool dans l'alimentation, ça c'est pas haram, c'est quand vous arrange, c'est haram, c'est juste ce qui vous arrange. Vous faites le porc, vous faites les choquer.